Et donc ce soir, nous abordons la question de la création. L'histoire de la création nous a été racontée par Moïse. C'est Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de l'Écriture sainte, donc toute la Genèse en particulier. L'histoire de la création n'est pas une fable, c'est un récit véridique, pas scientifique, mais véridique. Consigné par Moïse, inspiré par l'Esprit Saint. Donc ça, il faut vraiment l'affirmer, le réaffirmer très fort, et d'autant plus fort qu'il est contesté partout, dans toute la société, plus personne ne croit dans la création du ciel et de la terre par Dieu lui-même. On nous raconte des fables, pour le coup, qu'on fait passer pour des dogmes, c'est-à-dire qu'on a remplacé le dogme de la création par le dogme de l'évolution. Évidemment, il traite le dogme de la création de fable et il nous impose comme dogme à croire depuis les plus petites classes de l'éducation nationale l'évolution depuis le singe et le poisson. Donc, et pourquoi et quel est le but? Vous voyez, on le voit très bien aujourd'hui de plus en plus, puisque cela passe dans les lois qui viennent de voter. Vous voyez, c'est que l'homme est un animal humain et que tous les autres animaux, par exemple les chevaux, les animaux domestiques, tous les animaux évolués, si vous voulez, pas les vers de terre, hein, mais et encore. Mais je veux dire, tous ces animaux, les chats, tout ce qui nous entoure, les souris, etc., ce sont des animaux, disent-ils, non humains. L'expression est dans toutes les bouches de journalistes, à la radio et à la télévision, dans les médias. Ils nous parlent des animaux non humains, ils parlent des humains qui sont des animaux. Et l'évolution, c'est pour nous faire admettre. C'est pour nous faire entrer dans le crâne que nous ne sommes rien d'autre qu'une chaîne, un maillon de la chaîne des animaux. Nous venons des animaux et nous sommes d'accord au sommet de la chaîne, mais on est quand même au même niveau que les animaux. Bien sûr, tout ça est totalement démoniaque. Le récit de Moïse est pleinement d'accord avec les conclusions de la vraie science. Les vrais scientifiques détruisent complètement ces mythes. Parmi les contemporains, oui, ils se sont réunis dans un comité de défense de l'Écriture sainte, qu'on appelle le CEP, le CEP, Centre d'études et de prospectives, dirigé par M. Dominique Tasso. Je vous recommande vivement toutes les vidéos du CEP qui sont sur YouTube. Les conférences sont sur YouTube. Justement, Dominique Tasso en particulier, de Guy Berthaud aussi, sur toutes ces questions de la Genèse. Une question sur les limites de la science. Parce que c'est ça, en fait, si vous voulez. Les scientifiques se sont mis sur le dos une tâche qui était disproportionnée avec les moyens dont ils disposaient. Et ce qui est évidemment dommage, c'est que peu semblent s'en rendre compte. La plus belle fille du monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. Donc on s'est habitué à interroger la science à n'importe quel sujet et à croire que pour toutes sortes de questions, en particulier la question des origines, la science pouvait donner la réponse. Et en fait, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce qu'on ne peut pas observer, on n'était pas là. Hein. L'expérimentation est pratiquement impossible, on ne peut pas recommencer la création de l'univers. Et bon, évidemment, on peut servir de la logique, mais la logique, non, ne donne pas accès aux faits eux-mêmes. Donc, il ne reste que l'extrapolation, que l'interprétation, que la modélisation théorique, mais vous avez vu tout à l'heure que les modèles théoriques, selon la valeur que l'on donne aux paramètres, peuvent donner exactement le résultat qu'on veut. Donc, il n'y a pas de certitude dans le domaine de la science, quelle que soit par ailleurs la précision des calculs qu'on peut faire.
on ne peut pas avoir de certitude d'une manière générale, et encore moins concernant les origines, parce qu'on n'était pas là, on n'était pas témoin de ce qui s'est passé. Mais malgré tout, il y avait un témoin qui a parlé. Alors là, je reviens justement à la confrontation de la vision biblique du monde et de la vision scientifique du monde. Alors, que dit le témoin? Il dit deux choses. Il dit, d'une part, que la création était bonne, c'est-à-dire elle était complète, elle était parfaite, au septième jour. Et à ce moment-là, il s'est reposé. Alors, le repos de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il était fatigué, ça veut dire qu'il cesse de créer. Ça veut dire que la science devient possible, c'est-à-dire que les lois de l'univers, qui maintenant est complet, donc comme il est complet, il peut fonctionner, avec les lois que nous connaissons, la science devient possible. Mais la science devient possible qu'à partir du septième jour. Ça veut dire que presque par définition, tous les phénomènes liés à la création échappent à la portée de la science. C'est-à-dire qu'il y a, dans la vision du monde, l'ordre de la création et ce qu'on appelle l'ordre de la providence. Et nous vivons dans l'ordre de la providence, mais l'ordre de la création nous échappe et nous échappera toujours. Mais comme nous n'avons pas renoncé à accéder à cet ordre de la création, eh bien, je dirais, d'une certaine façon, il se reproduit dans la science moderne ce qui s'est passé tout au commencement. Il y a un épisode intéressant à propos du serpent, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, ça veut dire la connaissance de tout. Le bien et le mal, c'est la totalité de tout. D'une certaine façon, on peut dire que la science moderne cède à une tentation analogue, analogue et un peu différente. Et le serpent, forcément un être très intelligent, en l'occurrence, très rusé, et la meilleure façon de mentir, c'est d'induire en erreur en ne disant que les choses vraies. Ça, c'est le fin du fin. Donc, on peut penser que, d'une certaine façon, le serpent, c'est ce qu'a fait le serpent. Alors, si on analyse ce qu'il a dit, il a dit « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vous serez comme des dieux. Alors, d'une certaine façon, c'est « Vous vous prendrez comme des dieux, mais en réalité, vous ne serez pas des dieux. » Donc, il induit en erreur, c'est-à-dire que la science moderne s'imagine qu'elle peut connaître tout comme Dieu connaît. Alors qu'en fait, évidemment, la science est humaine, c'est une activité humaine, et là, elle est dans la finitude. Donc, inévitablement, la science est finie. Et il y a des questions à laquelle elle ne pourra jamais répondre. D'autre part, vous connaîtrez le bien et le mal. En hébreu, hein, vous serez connaissant bien et mal. Le bien et mal, c'est un adjectif et un adverbe. En général, c'est traduit par un substantif. Hein, déjà en latin, c'est traduit par un substantif. Mais en hébreu, c'est vous connaîtrez bien et mal. Alors, connaître bien, c'est connaître selon la vraie science. Connaître mal, c'est méconnaître. C'est mal connaître. Et d'une certaine façon, ce qui se passe en ce moment, c'est que les scientifiques, et je dirais collectivement, les scientifiques s'imaginent, se mettent à la place de Dieu, s'imaginent qu'ils peuvent répondre à des questions telles que la question des origines, mais évidemment, ils connaissent mal, ils sont à côté de la plaque, et c'est, c'est dramatique, mais c'est compréhensible, parce que ils ont refusé de reconnaître leurs limites. La sagesse commence avec la connaissance de ses limites, et le fait de refuser d'admettre ses limites, d'accepter de répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre, comme la question des origines, eh bien, je pense que c'est d'une certaine façon une reconduction à une autre échelle, bien sûr, de ce qui s'est passé peut-être à l'origine. Alors, la conséquence de cette réponse de la science, c'est qu'il y a un faux consensus. Vous avez vu que c'est à la fois dans les journaux, même au catéchisme, enfin, on vous bassine avec cette vision scientifique du monde que la Terre a 4 milliards d'années, l'univers a 13 milliards d'années, etc. Ça ne repose sur rien. Mais néanmoins, c'est affirmé partout. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ces indications-là, vous n'avez pas droit à publication, vous n'avez pas droit à crédit de recherche. Donc il y a évidemment un consensus apparent qui est un faux consensus. Ça veut dire qu'il y a un scientifiquement correct, comme par ailleurs il y a un politiquement correct ou un religieusement correct, etc.
C'est très grave. C'est très grave parce que, évidemment, d'une certaine façon, c'est un refus de penser. Si vous voulez, quand tout le monde pense la même chose, c'est que personne ne pense. Alors, dans ce contexte, eh bien, je dirais que, dans le cas de la vision publique du monde, la Terre ou l'univers ont un certain nombre de milliers d'années, alors on ne va pas chipoter, c'est de voir si c'est 4000, enfin, si c'est 4000 ans de Jésus-Christ ou 10 000 ans de Jésus-Christ, hein, bon, ce serait un autre sujet. Dans la vision scientifique du monde, c'est des millions, voire des milliards d'années, et ça ne repose sur rien. Donc là, on peut choisir, et je dirais, on peut choisir, c'est la raison qui permet de voir, est-ce qu'il y a une position qui est logique, est-ce qu'il y a une position qui n'est pas logique. Et donc, je vous invite vous-même à réfléchir à la question et à donner la réponse que vous voudrez. Les fouilles dans l'écorce terrestre, dit l'abbé Spirago, ont montré que les êtres organiques qui avaient apparu dans l'ordre indiqué par la Genèse. Aussi, tous les grands savants ont-ils admiré ce récit vieux de 3000 ans. Ce récit ne se rapporte du reste guère qu'à l'activité créatrice relative à notre planète. Et non pas, si vous voulez, bien toutes les autres planètes, à tout le système solaire, et bien au-delà, à toutes les galaxies, et toute la complexité de l'univers. Et tout ça, si vous voulez, nous importe peu, si vous voulez, que, je sais pas moi, la planète Vénus est apparu il y a 400 milliards d'années, enfin je dis n'importe quoi, j'en sais strictement rien, mais je veux dire, je m'en fiche totalement, ça n'a aucun intérêt, vous voyez, peu importe, la seule chose qui compte, vous voyez, ce qu'on apprend aux petits-enfants, dès qu'ils commencent à découvrir un petit peu, là, 4, 5, 6 ans, voilà, le bon Dieu, il a créé le ciel, la terre, les étoiles et tout ce qu'elles contiennent. C'est tout. Ça, c'est la vérité accessible à des petits-enfants et qui les met au-dessus des prix Nobel de science qui nous expliquent, voyez, que la Terre s'est faite par hasard toute seule. Bon. Ces gens-là sont des crétins. Voyez. Avec des QI 350, d'accord. Des années et des années et des années d'études, d'accord, mais pour conclure, des imbécilités. Oui. L'enfant de 7 ans est bien plus savant que ces savants-là. Alors après, honneur aux savants catholiques qui mettent leurs connaissances, leurs études, leur intelligence au service de la vérité pour la défendre et justifier, justement, preuve à l'appui, que la Bible ne raconte pas de bêtises, mais bien au contraire, on trouve, justement, dans l'Écriture sainte, des confirmations de ce qu'on peut vérifier dans le réel. Au commencement, Dieu créa le monde spirituel et le monde corporel, dit le Concile de Vatican I. Au commencement, c'est-à-dire au commencement des temps, alors qu'en dehors de Dieu, rien n'existait. Dieu était totalement seul. Il y avait lui et le néant. Le temps a commencé avec le monde. Oui, pourquoi ? Parce que le temps, c'est la mesure du changement, c'est la mesure du mouvement. Donc, pour qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Or, Dieu est immuable et éternel. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps commence à partir du moment où il crée la première matière. L'Écriture sainte ne dit donc pas quand le monde fut créé. Elle dit seulement qu'il n'est pas éternel et qu'il a été fait à un moment donné. Et ça suffit. Combien de milliards d'années, on s'en fiche. Le monde a donc pu exister des millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cela paraît même probable,
si l'on songe que nous voyons certains astres dans la dont la lumière met plusieurs millions d'années à nous parvenir. Vous voyez ? Bon, bah, ça, c'est. Ça ne pose aucun problème à la foi. Et pour les scientifiques qui observent le ciel hein, derrière leur télescope, etc., vous voyez, c'est juste une manifestation de la grandeur de Dieu. Tous ces chiffres absolument faramineux, c'est-à-dire que il y a certaines étoiles, vous voyez, alors que la lumière met plusieurs millions d'années à nous arriver, quand on la voit, quand on l'observe, eh bien, elle est peut-être déjà disparue. Vous voyez, on a les rayons de la lumière qu'elle a émise il y a un million d'années, mais aujourd'hui, eh bien, elle est peut-être déjà plus là. Ça, c'est le côté, je dirais, magnifique, enfin, merveilleux de la création du bon Dieu. Et ça ne dérange absolument pas la foi. Dieu créa, c'est-à-dire il produit à partir de rien. Et c'est ça la création. Sinon, si on crée à partir de quelque chose, ce n'est pas une création. C'est une création au sens large. L'artiste crée une œuvre, on dit, mais c'est faux. L'artiste ne crée pas une œuvre. Il va transformer la matière pour faire une œuvre. Il part toujours d'une matière existante. Tandis que Dieu, lui, il part du néant, il part de rien. Il dit une parole et hop, la chose existe. Il n'y a pas besoin de transformation, il n'y a pas besoin de passer par des étapes. Non, Dieu dit et cela est, ou cela est fait. Au lieu de monde spirituel et de monde corporel, saint Paul a dit les choses invisibles et les choses visibles. C'est aussi ce que nous disons dans le credo de la messe. Alors, par choses invisibles, on entend les anges, et par choses visibles, on entend bien toute la création terrestre, jusqu'à l'homme. Et dans les choses visibles, eh bien, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, sous le terme ciel, eh bien, on entend les anges, le séjour des anges et des élus, et sous le terme terre, eh bien, on entend l'univers entier. Le monde spirituel comprend les anges dont le séjour est le ciel. Les anges ayant été créés avant la terre, pour ainsi dire à son aurore, sont quelquefois appelés dans l'écriture étoiles du matin. L'enfer n'a pas été comme le ciel créé dès le commencement. Dieu l'a créé seulement après la chute des anges, après leur épreuve. Le monde corporel est composé de toutes les choses contenues dans l'univers visible. Les hommes sont un composé de matière et d'esprit. Ils ne furent créés que les derniers. Le monde matériel était au commencement à l'état de chaos, sans forme ni lumière. Dieu, au commencement, n'a créé que la matière première dont il a formé tous les corps. La science actuelle reconnaît à peu près 70 corps simples. Moïse donne à cette matière primitive le nom d'eau. Des eaux, si vous voulez. E-A-U-X. Ces corps primitifs étaient donc à l'état de mélange aqueux, comme le sable du désert mélangé avec de l'eau, sans forme ni lumière. C'était presque le néant, parce que toute forme manquait. Et cependant, c'était un être réel, une sorte de magma, parce que cette matière pouvait recevoir une forme. Cette matière primitive créée par Dieu se modifia par l'effet des lois naturelles établies par lui. Toutefois, la raison première de toute cette évolution résidait donc dans l'essence de la matière, mais dans la volonté de Dieu, dans la parole créatrice, fiat. La science prétend que cette matière primitive créée par Dieu était l'état gazeux et remplissait tout l'univers. Rien n'empêche d'admettre cette opinion, car tous les métaux et tous les minéraux portés à une température suffisante se volatilisent et remplissent par conséquent un espace plus grand. De plus, l'analyse spectrale a démontré que le Soleil, les planètes et les étoiles fixes sont composés des mêmes éléments que la Terre,
ce qui permet de conclure à une origine commune. Et donc je vais même jusqu'à dire que c'est possible qu'il y ait un Big Bang, hein, qu'il y ait eu un point original, que Dieu a fait exploser, et que tout ça a donné toutes les planètes et les étoiles. Vous voyez, ça me dérange, mais absolument pas la foi, à condition que l'on dise bien que le Big Bang, il n'a pas explosé comme ça tout d'un coup par hasard, hein, que c'est bien Dieu qui a dit que le Big Bang soit, et le Big Bang a existé. Alors si on dit les choses comme ça, il n'y a aucun problème. Mais vous n'entendrez pas cette phrase-là dans la bouche des scientifiques actuels. Dieu a donné au monde matériel sa forme présente dans l'espace de 6 jours. Ah, les fameux 6 jours. Alors ces 6 jours sont probablement de longues périodes, de plusieurs milliers d'années, voire des millions d'années pour les premières périodes, hein, pour les premières étapes de la formation de la Terre. Peu importe, ce n'est pas un problème. Mais, justement, ce qui est intéressant, c'est d'écouter les scientifiques du CEP nous expliquer que l'âge de la Terre n'est pas du tout celui qu'on prétend qu'il a. Eux, ils nient vraiment que la Terre ait des millions et des millions d'années. Voyez. Il dit la Terre est beaucoup plus jeune que ça. Alors, le 7e jour, c'est le jour du repos qui durera jusqu'au jugement dernier. Oui, puisque depuis la création de l'homme, si vous voulez, Dieu ne crée plus rien. Il n'y a pas de nouvelles créatures. Ce qui fait une énorme période. Du reste, avant le 4e jour, où fut créé le soleil, il ne pouvait pas y avoir des jours de 24 heures. Ah ben oui, très bonne. Tant que le soleil n'était pas créé, il ne pouvait pas y avoir de jours de 24 heures. Qu'est-ce qui fait qu'un jour à 24 heures? C'est justement que le soleil, tourne autour de la Terre. En l'espace de 24 heures, avec une alternance de jour et de nuit. Du reste, avant le 4e jour, où fut créé le soleil, il ne pouvait pas y avoir des jours de 24 heures. Le mot de jour fut donc employé parce que la semaine de la création devait être le type de la semaine humaine. Et donc, ce ne sont pas des jours de 24 heures, mais des périodes. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Et raconte Moïse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu créa donc une force spéciale lumineuse ou ignée, donc avant le soleil. Quand l'Écriture dit que telle chose soit, que telle chose produise, il faut admettre qu'une force nouvelle s'est ajoutée aux éléments primitifs. Le fluide lumineux, appelé aussi éther, transmet la lumière comme l'air transmet le son. La force lumineuse est indépendante du soleil, puisqu'il y a de la lumière en dehors du soleil. La science nous dit que la nébuleuse primitive était chaotique, c'est-à-dire sans mouvement et sans force. Dieu y introduisit une force nouvelle, la pesanteur ou la gravitation, en vertu de laquelle les atomes exercent une attraction les uns sur les autres, se mirent en mouvement et se condensèrent en certains noyaux. Ce mouvement, ce frottement, cette condensation produisirent de la lumière et enfin du feu. Ce phénomène se produisit dans le frottement de deux morceaux de bois. Au premier jour, les masses en mouvement prirent feu et produisirent par là de la lumière. L'univers se transforma ainsi en une masse ignée. Le 2e jour, Dieu créa le firmament. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu donna au firmament le nom de ciel. Ce second jour est expliqué ordinairement par la séparation,
l'ordonnance et la solidification des masses créées. Celles-ci, primitivement réunies, se divisèrent en parties de différentes constitutions et grandeurs, se séparèrent en diverses directions avec des vitesses propres et entrèrent dans les orbites que Dieu leur avait tracées et où il les maintient. Cette solidification des masses cosmiques dans l'espace en des orbites sidérales est appelée firmament ou chose ferme. Comme ces orbites se trouvent dans l'espace céleste, on a l'habitude de nommer firmament cet espace lui-même avec les astres et leurs orbites. Et Dieu appela firmament, le firmament ciel. C'est le nom que nous lui donnons aussi. Ce ciel est la voûte étoilée par opposition au ciel des esprits, c'est-à-dire au ciel des anges et des bienheureux. Dieu réserva une partie de ces masses cosmiques pour la Terre, qui est donc formée des mêmes éléments que les autres astres. Et Dieu, continue Moïse, fit le firmament et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Sans doute, l'écrivain sacré voulait dire que Dieu sépara les masses sidérales des corps destinés à remplir les espaces intermédiaires. La science nous dit que la condensation des noyaux de la nébuleuse primitive produisit des masses gazeuses ignées de différentes compositions et grandeurs qui s'attirent réciproquement et entrèrent par là dans des orbites déterminées. Notre Terre aussi, d'après cette théorie, était une masse en feu, un petit soleil qui répandait dans l'espace de la chaleur et de la lumière et qui fut entraîné dans l'orbite du soleil proprement dit. Bon, alors je vous dirais que moi, je ne suis pas scientifique, donc je vous renvoie pour tous ces détails et aux intervenants et aux conférences du CEP. Le troisième jour, Dieu créa le sol et les plantes, les astres. Après s'être détachés de la masse primitive, ne restèrent pas tels qu'ils entrèrent dans leurs orbites, mais ils continuaient à se former. Moïse ne s'occupe néanmoins que de ce qui le touchait de plus près, c'est-à-dire de la terre, sans nous dire des astres que ce qui nous intéresse particulièrement. La science nous dit que la Terre, primitivement un globe en fusion, perdit peu à peu de sa chaleur. Les vapeurs aqueuses de l'atmosphère se résolurent en eau, et le noyau terrestre solide fut couvert totalement d'une mer profonde, de près de 4000 mètres, en ébullition perpétuelle par suite de la chaleur du noyau. Mais comme le globe terrestre continuait à perdre sa chaleur, il se forma une croûte solide. Le refroidissement causant des contractions, cette croûte subit des dépressions telles que la mer arriva à des profondeurs de 18 000 mètres. D'un autre côté, les vapeurs du noyau encore en fusion soulevèrent l'écorce terrestre et formèrent ainsi le sol et les montagnes. Sans oublier les volcans. On peut s'imaginer cette terrible convulsion. Le moment était arrivé pour le développement des êtres organiques. Sur ce sol humide et sous l'influence de la chaleur et de la lumière. Toutefois, ces êtres organiques ne sortirent pas du néant comme les éléments primitifs. Mais de ces éléments préexistants, Dieu leur a donné une forme déterminée et leur a communiqué la force vitale. C'est ce qu'on appelle la création secondaire. Dieu a pu aussi, dès l'origine, communiquer à la matière les forces nécessaires pour produire les êtres organiques. Mais jamais les atomes inorganiques n'auraient pu se combiner pour produire des êtres organiques par génération spontanée. Et la génération spontanée, ça c'est un mythe de Darwin. Il n'y a pas de génération spontanée. Les générations des espèces
différentes demandent l'intervention divine à chaque fois. Tous les savants de l'univers seraient incapables de produire par des combinaisons soit une plante, soit un animal. De plus, il est impossible que des corps si admirablement organisés se soient formés d'eux-mêmes et encore moins par hasard. Même une machine inerte ne se produit pas d'elle-même. Elle naît de l'intelligence humaine. Il n'est pas admissible que les cellules primitives aient été créées en même temps que la masse cosmique, car elles auraient été détruites, soit par la chaleur excessive, soit par le froid intense des espaces intermédiaires. Et enfin, donc, on arrive à la création du Soleil, de la Lune et des étoiles. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a de la lumière, mais il n'y a pas de Soleil. Le Soleil n'arrive que le quatrième jour. En ce jour, Dieu régla définitivement les rapports des astres avec la Terre, la force lumineuse et calorifique de la Terre diminuant chaque jour. Celle-ci se serait trouvée sans chaleur ni lumière. Dieu prit donc des mesures pour prévenir ce défaut. La science nous explique ce phénomène de la manière suivante. Comme la Terre continuait à se refroidir, les eaux émirent moins de vapeur, les nuages disparurent peu à peu et le ciel se rasséréna. Les astres devinrent donc visibles, l'influence du soleil se manifesta, et les révolutions des saisons, des jours et de la nuit apparurent. Le soleil n'avait peut-être avant le quatrième jour qu'un faible pouvoir d'émission, et sans doute il ne prit sa forme actuelle que le quatrième jour. Dieu ne nous a donné aucune solution du problème de la pluralité des mondes habités parce qu'elle n'intéresse en aucune façon le salut de nos âmes. Surtout que s'il est venu justement sur la Terre pour acheter l'humanité, c'est qu'il n'y a personne d'autre dans l'univers. Tout a été créé pour l'homme. L'homme est le roi de l'univers, pas seulement de la Terre. Il est le roi de l'univers. Toutes les planètes, toutes les galaxies ont été créées pour l'homme sur Terre. Donc, arrêtons de nous parler des extraterrestres. Les extraterrestres, il n'y a qu'une seule sorte d'extraterrestres, ce sont les anges, les bons et les mauvais. Les bons et les mauvais sont tous extraterrestres, d'accord. Il n'y a pas d'autres habitants dans l'univers que les anges et nous. Nous savons seulement que la création des astres a fait le bonheur des anges, et que les astres ont été créés pour nous révéler la majesté de Dieu. Beaucoup de savants croient à la pluralité des mondes habités, mais surtout aujourd'hui, surtout avec la NASA. Mais ça, c'est des mythes, c'est des mensonges démoniaques. Bon. On s'étend pas là-dessus, vous avez compris. Le cinquième jour, Dieu créa les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, Dieu créa les animaux de la terre ferme. Et enfin, il créa l'homme. Les animaux ont été créés tout d'abord pour annoncer la gloire et la puissance du Créateur par leur nombre, leur variété, leur grandeur, leur force, leur agilité. Oui, même les dinosaures, je dirais qu'ils ont été créés pour manifester la puissance de Dieu. Comme ça. Qu'on nous dise pas, alors je sais pas, j'ai entendu des bruits qui courent et il y en a qui croient que les dinosaures ont jamais existé. Là, faut arrêter, quoi. Je veux dire, faut pas raconter n'importe quoi non plus. Hein. C'est pas parce que les scientifiques actuels font des fixations sur les dinosaures qu'il faut dire nous, non, ça a jamais existé. Stop, s'il vous plaît. Parce que là, on est ridiculisé, on se ridiculise et on décrédibilise. Vous voyez, la religion catholique, on fait un tort fou à la religion catholique. Ça n'a aucun sens de nier les dinosaures. Donc, par la qualité la plus caractéristique de leur instinct, la plupart des animaux sont le symbole d'une vertu ou d'un vice. Le renard est le symbole de la ruse. Le chien est le symbole de la fidélité. La brebis est le symbole de la patience, etc. L'homme est le dernier venu des êtres vivants.
mais il les surpasse tous en grandeur. Il est le couronnement de la création. Dieu a créé l'homme en dernier lieu afin de l'honorer. Et donc, il a bien créé la lune, le soleil et les étoiles pour l'homme qu'il a créé en dernier. Quand un souverain doit arriver dans une ville, on le fait précéder de tous ses serviteurs pour préparer son entrée. C'est ainsi que Dieu a créé d'abord ce qui était nécessaire à l'entretien de l'homme, et ensuite seulement il a créé l'homme. Le roi ne devait apparaître qu'après l'organisation du royaume. Dieu a fait d'abord le palais pour y introduire le roi. L'honneur rendu à l'homme par Dieu se manifeste aussi dans les paroles créatrices. À la création de l'homme, il ne dit pas que l'homme soit, mais il tint, pour ainsi dire, conseil avec lui-même. Faisons l'homme à notre image. Et le psaume 102 nous dit par exemple « Au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, les cieux périront, mais toi tu subsistes. Ils s'useront tous comme un vêtement. » Donc cette idée d'usure des choses et de commencement donc, est apparue avec la vision biblique du monde. Et à partir du moment où il y a un commencement, on peut se poser la question de savoir quand est ce t égale 0 qui a eu lieu quelque part. Alors, une petite remarque, c'est qu'effectivement, dans la vision biblique du monde, ce commencement est le même pour la Terre, pour l'univers et pour l'homme. C'est-à-dire que le commencement, c'est les six jours de la création, et dans ces six jours, évidemment, la totalité de l'univers créé est créée, parce que Dieu n'a pas besoin de temps, le Dieu ne se fatigue pas. Et vous avez dans Saint-Luc, par exemple, cette formule qui est fondatrice du mariage, dans laquelle Jésus dit au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme. Et le mot ktiseos, en grec, est vraiment le même que celui qu'on emploie pour la création de l'univers. Donc là, il y a évidemment une très grande différence entre la vision scientifique du monde actuel et la vision biblique du monde, vision dans laquelle l'âge de l'univers, l'âge de l'homme, l'âge de la création de la Terre, et de quelques milliers d'années, de plusieurs milliers d'années, alors que, en général, dans les chronologies scientifiques, actuellement, l'unité de départ, c'est millions d'années. Et on est tout de suite aux milliards d'années. Donc, il y a effectivement une divergence entre les deux. Et nous allons, dans un premier temps, regarder quelle est la réponse de la science. Nous avons vu la réponse de la Bible. Nous allons voir la réponse de la science à cette question. Nous verrons que les méthodes de datation peuvent être critiquées. Et nous interrogerons justement sur les limites de la science avant de pouvoir conclure. Alors, la réponse de la science, elle est donc issue de ce concept de création, comme nous l'avons vu, ce qui montre bien qu'on aurait tort d'opposer la vision biblique du monde et l'effort de connaissance par lui-même. Ce qui est en opposition, ce sont les données de la Bible, d'une part, et les productions théoriques de certaines disciplines scientifiques actuelles. Alors, la question a commencé avec la géologie, pratiquement au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle les théories de la Terre. C'est-à-dire qu'on s'est mis à examiner les paysages, à essayer de remonter de ce qui se passait en géologie vers l'origine des paysages. Et le premier qui a été, je dirais, promoteur dans ce domaine, c'est un Français qui s'appelle Benoît de Maillet, qui était consul en Égypte, et vraiment qui a beaucoup apporté, de façon peut-être un peu méconnue, c'est à lui qu'on doit l'idée que les êtres marins sont devenus des êtres terrestres, l'idée que les hommes des cavernes étaient des gens qui vivaient dans les cavernes. Donc il y a beaucoup d'idées qui ont été reprises après par la vision scientifique du monde, et qui sont sorties de Benoît de Maillet. À la même époque que Voltaire produit une dissertation sur les changements arrivés à notre globe, bon, vous voyez, tout le monde s'intéresse un petit peu à la question des origines, et surtout Buffon, donc, sort sa théorie de la Terre en 1749. Alors, dans cette théorie, si vous voulez, il y a énoncé pour la première fois le grand principe
de la géologie contemporaine, qui maintenant s'appelle le principe de l'actualisme. Finalement, on en a fait un principe anglais, mais en fait, c'est quand même Buffon qui l'a énoncé. Et il écrit dans sa théorie de la Terre, tome 1, page 96, « Pour juger de ce qui est arrivé, et même de ce qui arrivera, nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive. » Vous voyez, un principe très clair, qu'on comprend facilement, qui est de bon sens, et qui est devenu le principe fondateur de la géologie. Alors c'est très important, parce que vous voyez que c'est un principe limitatif. C'est-à-dire, pour juger de ce qui est arrivé, on va observer ce qui arrive aujourd'hui, et à ce moment-là, c'est scientifique. Donc la science, c'est ce qui reconstitue le passé en utilisant ce qui arrive aujourd'hui. Alors, c'est Buffon qui l'a énoncé, mais c'est connu aujourd'hui comme, disons, la théorie de Charles Lyell, qui est un géologue anglais. En fait, c'est un juriste, mais qui était passionné de géologie. Et qui, dans ses principes de géologie en 1830, donc a appliqué, au fond, le principe de ce qu'on appelle l'actualisme ou l'uniformitarianisme, c'est-à-dire ce sont les mouvements actuels qu'il faut extrapoler vers le passé. Et Lyell est l'inventeur de la, par exemple, de l'ère tertiaire, donc c'est un petit peu le promoteur de la notion d'ère géologique. Enfin, c'est des périodes pendant lesquelles on a un certain type de matériaux qui se déposent dans les sédiments, et puis après, on a d'autres matériaux. Par exemple, le Crétacé, c'est de la craie. Donc, pendant des millions d'années, il y a de la craie qui se dépose. On ne sait pas d'où elle vient, mais ça fait rien. Et puis, ça dure des millions d'années. Puis après, il n'y a plus de craie, il y a des grès. Bon, ça, c'est justement le produit inévitable de cette vision actualiste. Disons, Buffon, c'était 77 000 ans, l'âge de la Terre. Alors, c'était basé sur des coquilles, des amoncellements de coquilles, etc. Lyell, 1850, donc un siècle plus tard, 100 millions d'années. Donc là, on avait déjà franchi, disons, un seuil, des millions d'années. Ceci en raison de la nécessité, puisque à chaque période, c'est le même matériau qui se dépose. On a dans différents endroits de l'univers, les géologues font des études très approfondies, analysent les différentes couches géologiques, et par confrontation entre les différentes superpositions qu'on obtient à différents endroits, en mettant bout à bout toutes ces superpositions, on finit par reconstituer ce qu'on appelle la colonne stratigraphique. Et évidemment, comme, si vous voulez, les mouvements de la mer qui viennent déposer les sédiments, il n'y en a pas tous les ans et tous les jours, forcément, si on veut estimer le temps total qu'il a fallu pour déposer toutes ces couches, on arrive très vite aux millions d'années, et donc là, il en était à 100 millions d'années. Et là, il a eu aussi une invention intéressante, hein. C'est-à-dire il a vu qu'il fallait faire un lien, il a compris qu'il fallait faire un lien, de son point de vue, entre les fossiles qu'on trouvait dans les couches et l'âge des couches. Donc il y a cette idée que l'échelle, en parallèle avec l'échelle stratigraphique, on va avoir une échelle du vivant. Donc, on ne fait plus seulement de l'histoire de la Terre, on va faire de l'histoire de la vie. Et à ce moment-là, Darwin est apparu. Darwin est un protégé de Lyell, justement parce que Lyell avait besoin de Darwin pour expliquer pourquoi il y avait des successions apparentes dans les différents fossiles. Et Thomson, Lord Kelvin, se met à faire des travaux de thermodynamique. Et lui calcule que compte tenu de la chaleur, parce que vous savez qu'à cause de l'entropie, les corps chauds se refroidissent. Donc la Terre perd sa température. Et forcément, on a un moment, le moment où la Terre a pu se créer, si vous voulez, on peut calculer le temps qu'il a fallu pour qu'elle atteigne la température actuelle. Et pour Thomson, ce moment ne pouvait pas être plus éloigné que 20 millions d'années. Donc Thomson a mis par terre, risquait de mettre par terre, si vous voulez, ce que Lyell et Darwin avaient posé. Mais heureusement, il s'est ravisé, et Thomson 1862, c'est 20 millions d'années, et puis Thomson 1870, c'est 40 millions d'années. Parce que, si vous voulez, l'intérêt des approches mathématiques ou scientifiques des choses, c'est qu'en changeant les paramètres, on change les résultats. Et comme ces paramètres sont pratiquement indéterminables de façon précise, si vous voulez, c'est pas du tout la même chose
d'observer justement, de calculer le coefficient calorifique de l'eau qu'on chauffe et qu'on refroidit, et puis évidemment de calculer le refroidissement de la Terre dans l'univers. Donc on peut facilement faire des variantes, et vous verrez que les variantes du simple double, c'est très peu de choses par rapport à ce que vous allez voir d'ici peu. Donc on était à 40 millions d'années, mais c'était toujours pas assez pour la théorie de l'évolution. Et en 1893, là, en faisant des calculs sur les taux de sédimentation, si vous voulez, Reed est arrivé à 600 millions d'années pour le début du Cambrien, c'est-à-dire le début des couches dans lesquelles on trouve justement des fossiles qui commencent à être intéressants. Donc c'est toujours la sédimentation et la géologie qui mènent la danse. Mais à partir de 1896, Becquerel découvre la radioactivité, et là c'est le salut. Parce que ça permettait, si vous voulez, de venir au secours de Darwin en disant que les calculs de Thomson ne s'appliquaient pas, puisqu'il pouvait y avoir création de chaleur par la décomposition radioactive au sein de la Terre. C'est que le principe de la radioactivité, c'est que un élément se décompose, un élément parent se décompose en un élément fille. Donc on a par exemple le potassium radioactif qui devient de l'argon, et cette réaction produit de la chaleur. Donc comme il y a des réactions de radioactivité dans la croûte terrestre, eh bien la Terre continue à se chauffer, et donc elle peut avoir commencé à se refroidir depuis beaucoup plus longtemps que Thomson ne l'avait imaginé. Donc la radioactivité est devenue vraiment une pièce maîtresse du système, grâce à Becquerel. Et alors là, petit à petit, on voit une inflation des datations. Alors, disons, à peu près, au moment de la guerre de 14, on arrive à 1 milliard d'années. Donc, si vous voulez, c'est assez logique, parce que 600 millions d'années pour le début du Cambrien, bon, avant le Cambrien, il y a le pré-Cambrien, donc forcément, le début des choses est encore, forcément, avant. Donc, 600 millions d'années, c'était qu'un minimum. Et ça n'est que à partir des années 20 et 30, jusqu'aux années 50, qu'on a vraiment, le grand auteur dans ce domaine, c'est Holmes, essayé donc d'affiner par des mesures de radioactivité ce que pouvait être l'âge de la Terre. Donc, dans les années 20, on était 1 milliard d'années. En 1947, Holmes est à 3,35 milliards. Alors c'est toujours très très précis. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça change du simple au l'autre, au décuple presque, d'une génération à l'autre, mais c'est toujours à 0,5% près ou 0,06% près. Alors ça paraît paradoxal, mais vous verrez que ça s'explique très bien, mais ça n'est pas plus crédible pour autant. Et puis le même Holmes, en 1956, il arrive à 4,5 milliards d'années. Alors ça, c'était assez important parce que à la même époque, si vous voulez, entrent en lice les astrophysiciens. Donc les astrophysiciens, eux, essayent de mesurer non plus l'âge de la Terre, mais l'âge de l'univers. Alors, c'est très difficile. Faut reconnaître qu'on peut les excuser parce que l'ampleur de la tâche pourrait même être découragée. Mais en fait, ils ne se sont pas découragés et ils ont trouvé une solution simple. Il faut voir le goût des choses simples. La solution simple, c'est l'équation de Hubble. C'est très simple. Donc, la vitesse à laquelle les corps célestes s'éloignent de nous est proportionnelle à la distance à laquelle ils sont de nous. Alors, déjà, il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est la notion que les corps célestes s'éloignent de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a expansion de l'univers. Alors, cette thèse n'est pas du tout unanime. De toute façon, aucune thèse n'est unanimement partagée, même s'il y a unanimité de la communication dans le grand public à ce sujet. Einstein, par exemple, n'a jamais accepté l'expansion de l'univers. Alors, ce qui est étrange dans cette expansion de l'univers, c'est que plus les corps célestes sont loin de nous, plus ils vont vite. Alors, on enseigne justement, même à bac moins 2 ou à bac moins 3, que le mouvement, pour aller plus vite, il faut qu'il y ait une force qui accélère.
Donc que par un mobile, quel qu'il soit, par lui-même, ne peut que continuer à la même vitesse ou ralentir. Eh bien, en astrophysique, c'est le contraire. L'univers est en expansion et il va d'autant plus vite qu'il il est plus loin du point initial de du fameux Big Bang. Alors ça, c'est un paradoxe, mais vous avez des paradoxes, il y en a beaucoup en physique et en astrophysique. Alors, la constante de Hubble, eh bien c'est donc très simple, c'est le rapport entre la distance des astres, hein, et puis la vitesse à laquelle ils s'éloignent de nous. Bon, en réalité, on ne sait pas mesurer la distance des astres. Il n'y a vraiment que quelques étoiles pour lesquelles on fait des mesures de parallaxe. Maintenant, pour les autres, on fait comme les Grecs, on se base sur la magnitude. C'est-à-dire l'idée que plus c'est lumineux, plus ça doit être près. Mais comment savoir, comment transformer une magnitude, une luminosité en kilomètres, même si c'est en années-lumière, là, évidemment, il y a tout un travail, et c'est pas très simple, et c'est forcément très discutable. Mais une fois qu'on a ça, une fois qu'on a considéré qu'on savait mesurer la vitesse à laquelle les astres s'éloignent de nous, alors ça, on sait mesurer parce que vient le décalage vers le rouge. Alors, vous savez, ça devient difficile à savoir, mais vous savez que quand un train s'approche avec son sifflet, du fait qu'il s'approche, il y a compression des ondes, donc la fréquence apparente est plus élevée et le sifflet est aigu. Et puis quand le train s'éloigne de nous, il y a décompression des ondes et le sifflet est plus grave. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler nous montre qu'un corps qui s'éloigne, justement, va envoyer des ondes qui vont être perçues de façon plus décalée vers en l'occurrence pour les ondes lumineuses vers le rouge. Et donc en mesurant le décalage vers le rouge, c'est-à-dire on fait l'hypothèse que les éléments physiques qui sont dans les corps célestes émettent à la même fréquence que sur la Terre, et en mesurant les fréquences, en observant les fréquences, évidemment on peut faire l'hypothèse qu'ils mesuraient le décalage. Et ce décalage, on le transforme en vitesse. Et ayant transformé ce décalage en vitesse, en appliquant la constante de Hubble, on connaît la distance des étoiles. Alors, si on fait le calcul en sens inverse, on peut retrouver T égale 0. Donc on connaît l'âge de l'univers. C'est fantastique. Et Hubble, donc vers 1829, donc estimait l'univers à 2 milliards d'années. Alors le problème, c'est que 2 milliards d'années, c'est plus petit que 3,5 milliards d'années, donc l'univers était plus jeune que la Terre. Alors ça évidemment, les astrophysiciens, les scientifiques, de manière générale, sont des gens intelligents. Donc ils ne restent pas, évidemment, devant une difficulté comme ça. Ils trouvent une solution, et la solution, c'est tout simplement de changer la constante de Hubble. Donc la constante de Hubble était de 500 km/s par mégaoctet par sec à l'époque primitive de Hubble, et aujourd'hui elle est de 71. Donc, vous voyez, on change la constante de 7 fois, et puis le problème est réglé. Vous voyez, l'univers, maintenant, il fait 14 milliards d'années, 12 milliards d'années. Enfin, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ce qui est important là-dedans, c'est la méthode. C'est-à-dire, comment fait-on pour connaître l'âge de l'univers? Eh bien, on fixe une valeur de la constante de Hubble qui permet à l'univers d'être plus vieux que l'âge de la Terre, que par ailleurs, on a estimé par des mesures de radioactivité. Alors, donc, en ce qui concerne donc l'âge de l'univers, donc à l'époque en 1953, Gamow, par exemple, estimait à 3-4 milliards d'années l'âge du Soleil. Et la raison qu'il donnait à cette estimation, c'est puisque l'âge estimé de notre Terre est de cet ordre de grandeur. Autrement dit, l'âge de la Terre est à peu près l'âge de l'univers. Donc, on a à peu près l'âge du Soleil, hein, c'est la Terre qui fait partie du système solaire, donc ça a été créé en même temps. Et puis, évidemment, maintenant, on est passé à 4 milliards et demi, mais c'est toujours en se calant sur la géologie, parce qu'on avait trouvé des minéraux, en particulier des cristaux de zircon, en Australie, qu'on pouvait dater de plus de 3 milliards d'années par radioactivité. Donc ça, c'est ce qui vous permet de voir comment, effectivement, la science moderne est parfaitement capable de connaître l'âge de la Terre, l'âge de l'univers. Mais je pense qu'au passage, vous aurez perçu que la méthode employée
présente un certain nombre de lacunes méthodologiques qu'il serait peut-être de mauvais goût de le signaler, mais je vais quand même le faire en critiquant justement ces méthodes de datation. Et vous verrez que je n'aurais pas difficile à le faire, mais avant. Et à propos de cette constante de Hubble qui a été divisée par 7. Je vais vous lire la citation d'un spécialiste du Soleil, alors qui s'appelle Rho. Alors il écrit ça en 1989, donc c'est pas si vieux que ça, et il dit « Je suppose que le Soleil a 4,5 milliards d'années. » Je suppose. Mais les journalistes de Sciences et Vie, ils savent. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc moins on connaît le fond des choses, plus on est sûr de ce qu'on affirme. Je suppose, dit Hiro, que le Soleil a 4,5 milliards d'années. Cependant, avec quelques données nouvelles et inattendues montrant le contraire, et avec un peu de temps pour permettre un nouveau calcul désespéré et un réajustement théorique, j'imagine que nous pourrions vivre avec l'évaluation de l'âge de la Terre et du Soleil donnée par l'évêque Usher. Alors Usher, c'est un évêque irlandais du XVIIe siècle qui donc avait fait des calculs de chronologie biblique et qui avait calculé que la création du monde était de 4004 avant Jésus-Christ. Alors vous savez qu'il y a plusieurs calculs de chronologie biblique, mais c'est Usher, effectivement, qui est le plus utilisé, que Bossuet a repris dans son discours sur l'histoire universelle. Donc Usher, 4004 avant Jésus-Christ, et nous avons un spécialiste du Soleil qui dit « Le Soleil, je suppose qu'il a 400 milliards de années, mais avec quelques réajustements théoriques, on pourrait arriver à l'âge donné par Usher. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup d'observations probantes en astronomie pour contredire Usher. La physique solaire regarde maintenant du côté de la paléontologie pour les données sur la chronologie du Soleil. » Ça veut dire que tout est basé sur des suppositions, et comme disait Méchant, on suppose toujours, et de supposition en supposition, on finit par conclure sans preuve. Alors, comme on a conclu sans preuve, on peut critiquer, et en ce qui concerne donc deuxième partie de mon exposé, nous allons prendre ces méthodes les unes après les autres, mais comme le temps est bref, pour, disons, peut-être frapper plus fort, ou plus simplement, je vais commencer par vous donner trois faits polémiques. Ce que Bachelard appelait les faits polémiques, c'est les faits qui ne cadrent pas avec la théorie. Alors, évidemment, en général, on se contente de les mettre de côté, mais parfois, il y a des gens intelligents qui prennent au sérieux le fait polémique. C'est comme ça que Kepler a découvert que les planètes décrivaient une ellipse autour du Soleil. C'est parce qu'il y avait un petit écart dans les observations, et lui, il a pris au sérieux l'écart. Alors qu'aujourd'hui, comme on est pressé de publier, certainement que ça serait passé autrement. Alors, trois faits polémiques. Le premier, c'est l'explosion du mont St. Helens. Alors, c'est un volcan de l'État de Washington, aux États-Unis, et qui a donné une éruption très importante, très bien documentée, le 18 mai 1980. Donc, vous voyez, ça a été filmé, sous toutes les coutures, on avait fait évacuer la population. Donc on sait très bien, la date de calendrier est absolument certaine. Alors c'est l'explosion, du point de vue de la puissance, ça représente 20 000 fois Hiroshima. Les forêts ont été complètement rasées sur 500 km². Il y a eu plein de phénomènes très intéressants qui sont passés autour de cette explosion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la dater par les méthodes, en particulier de radioactivité, puisque le potassium-argon, la radioactivité, ça s'applique surtout aux roches volcaniques, dans lesquelles on trouve justement les minéraux qui se prêtent à la méthode. Donc on a fait une datation potassium-argon de la lave refroidie de cette éruption volcanique. Alors on trouve trois résultats différents, c'est-à-dire du même échantillon de roche. On a un résultat pour la roche totale, et puis un résultat différent pour chacun des composants de la roche. Donc en l'occurrence, la roche totale, on a 350 000 ans, plus ou moins 50 000 ans. Il y a toujours une précision très spécifiée. Mais le feldspat de cette roche totale fait 340 000 ans. L'amphibole, qui est un des autres composants de la roche, 900 000 ans. Donc c'est quand même très différent, si vous voulez, les 350 000 ans, plus ou moins 50 000 ans. Et le pyroxène, 2 800 000 ans. Pyroxène, qui est un troisième composant de la lave.
Alors, le problème est suivant. Donc, on a trois dates possibles, hein, entre 350 000 ans, 340 000 ans et 2 800 000 ans. Mais on a aussi une date de calendrier certaine. Donc, ça montre bien qu'il y a, quelque part, nous verrons pourquoi, un problème avec les datations par les radioéléments. Deuxième exemple, c'est le moulinet de la rivière Tellico. Alors ça, c'est une rivière du Tennessee. Et un jour, un pêcheur qui s'appelle Don Jones, en tombant, est tombé nez à nez, si vous voulez, avec un moulinet de pêche qui était incrusté dans la roche. Donc cette théorie de Hubble, selon laquelle il y a une proportion entre la distance des astres et leur vitesse d'éloignement, ce qui suppose d'ailleurs qu'il y ait une vitesse d'éloignement, alors là, il y a des contre-exemples flagrants. Alors, je vous en cite trois. On a par exemple un quasar, alors, qui est lié à une galaxie, c'est-à-dire qu'il y a un pont de matière entre les deux. Et il y a un astrophysicien américain, Alton Harp, qui justement a beaucoup étudié les quasars, c'est les quasars. C'est lui qui est l'auteur du dictionnaire des quasars, d'ailleurs. Mais il a dû se réfugier maintenant en Allemagne, au Max Planck Institute, parce que quand il a mis en avant évidemment les contradictions entre ce qu'il avait trouvé et la loi de Hubble, eh bien, c'est Hart qui a sauté, c'est pas la loi de Hubble. Alors, le problème, c'est qu'on a le quasar, il est censé, lui, se déplacer à 21 000 km par seconde, enfin, c'est rapide, mais ce qui fait 978 millions d'années-lumière, alors que la galaxie à laquelle il est rattaché, elle est censée se déplacer à 1800 km par seconde, et elle n'est donc qu'à 84 millions d'années-lumière. Donc ça ne va pas. Vous avez les étoiles doubles. Alors les étoiles doubles, c'est les étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, donc elles sont au même endroit. Donc elles devraient avoir le même décalage vers le rouge, or c'est pas le cas. En général, une qui a un décalage très différent de l'autre. Et puis vous avez une galaxie, alors ça c'est... Enfin, elle a un très joli nom, mais enfin, je vous le donne quand même, NGC 1199. Donc cette galaxie a une particularité, alors elle est censée être à 125 millions d'années-lumière par le décalage vers le rouge. Et le problème, c'est que devant cette galaxie, il y a une autre galaxie, une petite galaxie, mais qui est devant. Et elle est censée être à 619 millions d'années-lumière. Autrement dit, on a une petite galaxie qui est à 600 millions d'années-lumière, qui est néanmoins devant la grande galaxie qui est à 125 millions d'années-lumière. Donc on voit bien que ça ne tient pas debout. Donc ça, mais comme de toute façon, les astrophysiciens eux-mêmes reconnaissent que on peut changer leur calcul comme on veut, puisqu'on peut les changer au point de se ramener à la chronologie de l'échelle, on pourrait même les changer au point de se ramener à 10 secondes. Et j'ai posé une fois la question à Trinh Xuân Thuan. Alors c'est un astrophysicien franco-vietnamien, mais qui est à Paris de temps en temps, et j'étais un jour dans un salon parisien, je l'avais sous la main, et je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit, mais parce que le problème du Big Bang, c'est que c'est une équation mathématique très compliquée, donc il y a très peu de gens, peut-être 40 ou 50 au monde, qui connaissent bien ces équations, qui sont capables de rentrer dedans. Donc quand on en tient un, on le garde. Alors je lui ai dit, mais c'est très bien que les équations mathématiques, dans mathématiques, le temps n'existe pas. Donc, pour pouvoir faire des équations du Big Bang une chronologie, il faut quelque part introduire un paramètre qui permette de donner une valeur physique au temps. Et je lui ai dit, comment a-t-on fait pour trouver ce paramètre? Il m'a dit, mais c'est très simple, on s'est aligné sur les datations géologiques. Donc, il a dit exactement ce que disait Gamov tout à l'heure. Donc ça veut dire que l'astrophysique, les données issues d'astrophysique n'ont aucune pertinence en matière de chronologie de l'univers puisqu'elles se sont calées volontairement sur les datations géologiques. Alors maintenant, ces datations géologiques elles-mêmes, elles sont de deux natures. Nous l'avons vu, d'une part la radioactivité, d'autre part la stratigraphie. Alors en ce qui concerne la radioactivité, alors c'est important parce que c'est ce qui permet de dire que c'est une datation absolue. Hein, on vous bassine de datation absolue, donc datation absolue, il n'y a plus rien à dire, il faut accepter tel que c'est. Alors le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas être absolues parce que on ne connaît jamais la valeur initiale de la radioactivité. C'est-à-dire, vous entrez dans une maison abandonnée dans la forêt et il y a une chandelle
qui est allumée sur la table. Est-ce que vous pouvez répondre à la question « Depuis combien de temps les habitants font partie ?» Alors, évidemment, vous pouvez mesurer de combien de centimètres par heure la chandelle s'use. Mais pour savoir quand les habitants font partie, il faudrait connaître la longueur de la chandelle au départ. Alors, la longueur de la chandelle au départ, c'est-à-dire la quantité d'éléments phi qui étaient présents au moment où la réaction radioactive a commencé, absolument personne n'est capable de le dire. Donc, comme on ne peut pas le dire, on l'invente, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses. Et ces hypothèses, on les fait pour se caler sur la géologie, sur la sédimentologie. Donc les datations par les radioéléments, alors d'une part, ne peuvent donner que de grands chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, le potassium-argon ne peut jamais dater de moins de 300 000 ans. C'est-à-dire que l'appareil ne peut pas donner moins de 300 000 ans. Donc vous pouvez prendre n'importe quel échantillon, vous le mettez dedans et vous aurez au moins 300 000 ans. C'est comme les compteurs de voitures, en dessous de 10 km/h, vous ne pouvez pas savoir à quelle vitesse vous roulez. C'est exactement la même chose. La méthode ne permet pas d'avoir ces dates-là. Et alors c'est quand même important, peut-être long, parce que c'est avec ça qu'on date les fossiles africains. Moi, il y a une chose qu'il faut quand même savoir, enfin, c'est pas dans le sujet de l'âge de la Terre, mais malgré tout, ça y touche, c'est que dans les fossiles, il n'y a pas de potassium-argon. Donc, en fait, on peut pas dater le fossile par le potassium-argon, on date la lave la plus proche, ou la cendrée la plus proche. Et la plus proche, elle est peut-être à 3 km. Le problème, c'est que si l'homme de la rue, si on lui expliquait qu'effectivement, on va chercher la roche volcanique la plus proche pour faire une date potassium-argon, il comprendrait que ce qu'on vous raconte sur l'âge de Lucie et Wurtz, ça ne vaut strictement rien. Et puis, ça ne vaut rien parce que il y a des dates, par exemple, le lac Kivu. Donc, on a une lave près du lac Kivu qui est datée par le potassium argon de 13 millions d'années. Donc, c'est déjà respectable. Or, cette lave, elle surmonte une couche de coquillages qui, eux, sont datables par le carbone 14 de 5 millions. Alors, là encore, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas avoir des coquilles de 5000 ans recouvertes par une lave qui a des millions d'années. En ce qui concerne la stratigraphie, qui est justement la science mère qui a permis d'étalonner les radioéléments, là, il faut... je regrette que Gilberto ne soit pas là ce soir, il a eu un empêchement, il devait être parmi nous, mais il faut dire que c'est un Français qui a compris comment on pouvait réfuter fondamentalement ce type de datation. C'est très simple, hein. Tout est basé sur le principe de superposition. Alors vous savez tous que ce qui est plus vieux est en dessous, et que ce qui recouvre ce qui est en dessous est plus jeune que ce qu'il recouvre. Ça, c'est vrai dans nos tiroirs. On empile, on peut pas, sur une pile de papier sur un bureau, quand on met sur le dessus de la pile, c'est donc plus récent que ce qui est sur le dessous de la pile. Mais si je verse dans un tube à essai de l'huile, de l'eau et du mercure, vous ne pouvez pas dire que le mercure est plus vieux que l'huile ou que l'eau est plus vieille que l'huile. Hein, il y a un phénomène mécanique qui a joué, en l'occurrence la densité. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne la sédimentation. Il y a ce qu'on appelle granoclassement, c'est-à-dire classement des corps selon leur granulométrie, en ce qui concerne leur vitesse de descente dans l'eau. Alors, ça, c'est un phénomène que vous connaissez dans l'air, c'est les ménagères en particulier les connaissent très bien. Quand on pousse des poussières, ça vole, et les cailloux, ça tombe. Même du même matériau. C'est-à-dire que le même gravier très fin va donner une poussière qui éventuellement va faire le tour du globe, hein, mais on le sait avec les poussières radioactives. Et puis, si c'est plus gros, ça va tomber. Alors ça, c'est ce qui se passe dans l'air, mais dans l'eau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en faisant un mélange de grosses et de petites particules, et en les laissant se déposer dans l'eau, on obtient en bas une succession de couches de petites particules, de couches de grosses particules, et c'est ce qui donne les laminés, c'est-à-dire les petits strates. Alors, Gilberto a découvert ce phénomène de granoclassement, il a évidemment tout de suite fait le lien, parce que, en plus, on retrouve comme épaisseur de laminé
les épaisseurs que l'on avait dans la roche d'origine dont on est parti pour fabriquer le mélange. Donc ça a donné lieu à communication à l'Académie des sciences en 1986. En 1988, deuxième communication. Alors là, le phénomène a été reproduit à plus grande échelle sur 5 mètres de hauteur à l'Institut d'hydrogéologie de Marseille. Et puis, dans les années 90, il y a eu toute une série d'expériences à l'Université du Colorado pour observer la sédimentation, cette fois en canal, dans un courant horizontal. Parce que là aussi, c'est très important. Les sédiments de nos roches sédimentaires ne tombent pas du ciel. Donc le principe de superposition, c'est très bien quand effectivement vous êtes au-dessus, puis vous ajoutez des choses au-dessus. Mais en pratique, les sédiments ont forcément été transportés par des courants horizontaux. Et la lamination, c'est-à-dire la stratification, se produit dans les courants horizontaux, et on peut calculer en fonction de la densité et de la taille des particules, la vitesse du courant qui a été nécessaire pour les arracher, et la vitesse du courant en dessous de laquelle il se dépose. Et parce que chaque corps a une vitesse d'entraînement et une vitesse de dépôt. Et maintenant, grâce à donc ces expériences initialement de Liberto, il y a plusieurs équipes de géologues, mais principalement en Russie, qui travaillent à faire de la paléo-hydraulique, c'est-à-dire à reconstituer les temps de trajet qui ont été nécessaires pour permettre le dépôt des roches sédimentaires que l'on trouve. Et il y a des cas où on sait, par exemple, quand on a de grosses inclusions dans un dépôt, c'est le cas en Crimée, on a pu identifier le massif initial dont ces rocs ont été extraits. Donc c'était à 400 km. Donc ça permet de calculer, si vous voulez, la vitesse du courant qui a été nécessaire pour transporter les rochers, et le temps nécessaire pour la sédimentation. Et le temps n'est pas du tout en millions d'années, il est en jours. Parce qu'évidemment, plus c'est gros, plus il faut des courants rapides, et plus ça va vite. Donc on a là, avec la remise en cause du principe de superposition, à partir du moment où, si vous voulez, une science est basée sur un principe, où ce principe se démontre ne pas être un principe explicatif. D'ailleurs, le principe de superposition n'explique rien. Connaître, c'est quand même, à un moment donné, connaître par les causes. La grande avancée de Liberto dans ce domaine, c'est d'avoir donné une cause de la stratification. Donc la stratification est liée au granoclassement et est liée aux variations de vitesse des courants horizontaux. Donc maintenant, on peut faire de la paléo-hydraulique, et en général, on trouve des dates qui sont de l'ordre de 0,5% maximum des durées géologiques estimées. Donc, de toute façon, l'échelle stratigraphique, la datation géologique, elle est en train de sauter complètement. C'est plus du tout le même ordre de grandeur. Et on en a, un autre exemple, si vous voulez, ce sont les noduges marins. Vous savez, il y a des minerais qu'on extrait de la mer parce qu'il y a des accrétions, en particulier de ferromanganèse, qui se forment jusqu'à des boules de 20-30 cm d'épaisseur. Alors, on a trouvé, c'est en Russie aussi, si vous voulez, un nodule dans lequel il y avait comme inclusion, si vous voulez, une capsule de bière de marque Karjava, c'est une bière finlandaise, dont je ne connais pas la qualité, mais ce qui est intéressant, c'est que la capsule était au cœur du nodule, ce qui permet de calculer la vitesse réelle de croissance annuelle du nodule, et on s'est rendu compte que ce nodule qui était censé avoir 1 million d'années, ne pouvait pas, si vous voulez, à moins d'imaginer que dans une civilisation antérieure, les gens auraient sorti une capsule de bière Karjava. Là, on entre dans la fantasmagorie. Donc, si on écarte la fantasmagorie, il faut admettre que c'est pas parce qu'on vous dit qu'un nodule fait 1 million d'années, les géologues certifiés par le géologue en chef. D'ailleurs, cette expérience m'a été communiquée par le responsable des minéraux marins à l'Académie des sciences de Russie. Donc, en Russie, on commence à réfléchir sur ces questions de datation géologique. Et il faut bien comprendre, au fond, c'est assez normal, parce que ça n'est pas parce qu'un phénomène se déroule dans le temps que ce phénomène est une horloge, que ce phénomène est un chronomètre. Une horloge, c'est pas simplement un mécanisme qui se déroule dans le temps, c'est un mécanisme qui a été conçu pour mesurer le temps.
Et malgré tout, c'est pas parce qu'on a une horloge qu'on connaît. Alors on connaît, on sait à quelle heure il est, mais on ne sait pas quand l'horloge a été construite. Donc, si vous voulez, la prétention des géologues, parce qu'ils ont mesuré certains phénomènes qui se déroulent dans le temps, par exemple le fait que les deltas s'accroissent au large de... Mais l'accroissement des deltas, vous savez que le Missouri et le Mississippi se jettent dans le golfe du Mexique. Et ça fait un dépôt de boue de 12 mètres de haut. Ce dépôt, il n'a pas pu durer très longtemps. Il a duré au maximum quelques milliers d'années. Hein, sinon, il y a longtemps que l'Atlantique serait rempli d'égouts du Mississippi. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de cohérence entre beaucoup de phénomènes qu'on observe et les datations qui sont cependant couramment admises en géologie. Et vous avez beaucoup de phénomènes qui se déroulent dans le temps qu'on n'utilise pas comme chronomètre parce qu'on sait déjà que la réponse n'est pas bonne. En particulier, les minerais solubles. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez le plomb, le silicium, etc., qui sont dissous dans l'eau des rivières et qui aboutissent dans la mer. Donc la mer s'enrichit petit à petit. Et donc en mesurant la concentration en plomb de la mer, par exemple, et en divisant par les apports de plomb des rivières, on sait depuis quand les rivières se jettent dans la mer. Ce chiffre est de 2000 ans. Alors c'est pas vrai. Hein, on voit bien sur ce cas-là qu'il y a forcément que le phénomène n'a pas été constant dans le temps. Mais beaucoup de phénomènes ne sont pas constants dans le temps. Mais on ne peut faire de la géochronologie qu'en faisant l'hypothèse que le phénomène qui se déroule dans le temps que l'on mesure, eh bien, s'est toujours déroulé comme il se déroule aujourd'hui. Il y a aussi des essais en laboratoire qui ont été faits. On a fabriqué à la Sorbonne en 1947 du granit en 20 minutes. Alors, forte chaleur, forte pression. Vous savez qu'aujourd'hui, on fabrique du pétrole. Il y a des bactéries qui fabriquent du pétrole. Il y a des humidités en Espagne, avec un procédé français d'ailleurs, qui fabrique du pétrole en quelques jours. On a pu fabriquer du pétrole en 20 minutes d'ailleurs, avec à partir de chimie et d'ordures. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on peut contester les différentes méthodes de datation. Et ce qui est nouveau depuis le mois d'août de cette année, c'est qu'on peut les contester, sans le dire, la vérité, dans les congrès scientifiques. C'est-à-dire, d'une part, les travaux des équipes qui travaillent selon les règles de Liberto font des publications dans les publications de l'Académie des sciences de Russie. Et d'autre part, il y a eu, du 13 au 17 août à Singapour, il y avait une réunion de la Western Pacific Geophysics Meeting. Donc, une réunion de sciences de la Terre concernant le Pacifique, mais vous savez, dans ces réunions internationales, les gens viennent de partout. Et une des communications a été faite par le Paléogroupe. Alors, le Paléogroupe, c'est un groupe américain qui est dirigé par Hugh Miller, qui est un chimiste américain, qui depuis maintenant une vingtaine d'années fait des datations radiocarbone sur os de dinosaures. Alors, le radiocarbone, ça date quelques dizaines de milliers d'années ou plus. Les dinosaures sont censés avoir disparu il y a 60 millions d'années. Mais néanmoins, dans les os de dinosaures, on peut extraire le collagène, on peut extraire la bioapatite, et on peut faire des mesures radiocarbone dessus. Alors, le simple fait qu'on puisse... Marie Schweitzer, c'est une Américaine qui a pu extraire de l'ADN de dinosaures, et faire une analyse d'ADN de dinosaures. Ça prouve que c'est pas fossilisé. Au sens où les fossiles sont normalement des corps organiques qui sont devenus minéraux. Donc, dans un fossile étymologiquement valide, il n'y a pas de carbone organique, on peut pas faire d'analyse radiocarbone. Et néanmoins, alors ils ont fait ça sur 8 dinosaures différents, pris dans 4 états différents des États-Unis. Et ils ont trouvé entre 20 000 et 30 000 ans, selon les dinosaures, avec toutes sortes de précautions pour montrer que c'était pas de la contamination par du carbone organique récent, etc. Et ça a été reçu. Ça avait été refusé l'année dernière à Seattle, et ça a été accepté à Singapour cette année. Donc, c'est quand même une grande date, puisque on a pu, c'est sur Internet, mais ça fait partie des communications scientifiques reconnues, et il est admis que des os de dinosaures peuvent dater de 20 000 ans.